Bonjour, je m'appelle Suzanne Fulton. Bienvenue à cette séance de yoga pour débutants. Tout le monde peut pratiquer le yoga. C'est pourquoi j'ai réalisé ce programme d'initiation au Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, la forme la plus répandue en Occident, met l'accent sur l'aspect physique du yoga. Parfois, certaines postures peuvent sembler compliquées et pénibles, mais ce ne sont là que des apparences, comme vous vous en apercevrez très vite au cours de la séance. Si vous jugez certaines postures trop difficiles, ne les faites pas. Soyez à l'écoute de votre corps et avancez à votre propre rythme. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une serviette de bain que vous plierez plusieurs fois et d'une ceinture assez souple, comme celle d'une robe de chambre. La pratique régulière du yoga augmente la tonicité musculaire, la force et la souplesse. Elle diminue le stress et les tensions, améliore le maintien et facilite la relaxation. Le mot yoga signifie « joindre » ou « unir ». Une union qui permet au corps de fonctionner harmonieusement en stimulant les organes internes et en associant le souffle au mouvement, procurant ainsi un sentiment de bien-être général. Ne pratiquez pas au sortir d'un repas copieux et consultez toujours votre médecin si vous souffrez d'hypo ou d'hypertension artérielle, d'épilepsie, de diabète, de thrombose ou de troubles cardiaques, ou encore si vous êtes enceinte ou si vous suivez un traitement médical, quel qu'il soit. Et rappelez-vous, il est recommandé de visionner la séance en entier avant d'aborder les exercices. Nous allons maintenant travailler la respiration, l'alignement du corps, les postures et les étirements. Assis sur les fessiers, le ventre rentré, déroulez la colonne vertébrale au sol. Allongez doucement les jambes au sol. Et placez les mains de chaque côté du bassin, les paumes tournées vers le ciel. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les jambes tendues, pliez les genoux, les pieds posés sur le sol et laissez le bas du dos se fondre dans le sol. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Nous allons nous concentrer quelques instants sur notre respiration et chercher à la ralentir. On inspire par le nez. L'air remplit la base des poumons, puis on expire par la bouche. À chaque inspiration, sentez vos poumons se remplir depuis le bas vers le haut. Et à chaque expiration, sentez-les se vider depuis le haut vers le bas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. À chaque expiration, laissez votre corps se fondre un peu plus dans le sol. Abandonnez toute tension. Laissez le corps devenir de plus en plus lourd sur le sol. Sur la prochaine inspiration, levez les bras au-dessus de la tête et tendez les jambes loin devant vous. Inspirez, étirez-vous. Expirez, abandonnez-vous au sol. Puis étirez tout le bord droit du corps. Inspirez, étirez-vous, allongez le bord droit du corps. Puis expirez, relâchez.
À présent, le côté gauche. Inspirez, allongez, étirez-vous au maximum. Puis quand vous ne pouvez plus, expirez et abandonnez-vous au sol. Ensuite, les deux bras et les deux jambes en même temps. Inspirez, allongez, étirez-vous. Étirez aussi loin que vous le pouvez. Puis bâillez pour détendre le visage. Et sur une expiration, abandonnez-vous au sol. À nouveau, bâillez, étirez-vous et bâillez. Étirez tous les muscles du visage et détendez-vous complètement. Lentement, en prenant votre temps, pliez les genoux et posez les pieds au sol. Ramenez les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Inspirez. Expirez. Pressez le bas du dos au sol. Rentrez le ventre. Restez ainsi quelques instants, puis aplatissez davantage le bas du dos contre le sol. Vérifiez que le poids de vos pieds est également réparti sur les deux voûtes plantaires et que vos genoux sont bien parallèles. Imaginez que vous avez un ballon entre vos deux genoux. Ainsi, ils ne peuvent tourner ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Les cuisses internes sont mobilisées, les abdominaux contractés et le bas du dos est bien à plat sur le sol. À nouveau, inspirez. Expirez, pressez le bas du dos au sol, sentez-le s'enfoncer et s'aplatir encore un peu plus dans le sol. Prenez conscience de cette sensation. Sentez les abdominaux se contracter davantage, à tel point que si vous deviez vous asseoir en gardant cette même position, votre dos serait parfaitement droit. Gardez bien ceci à l'esprit pendant toute la durée de la séance. Le ventre doit être toujours bien rentré. Encore une fois, on bascule le bassin vers le sol. Inspirez, expirez, pressez le bas du dos au sol. Mobilisez les abdominaux. Assurez-vous que le poids de vos pieds est également réparti sur le sol. Continuez à vous représenter le ballon entre vos genoux pour rendre l'intérieur des cuisses plus vivant. À présent, ramenez doucement les genoux sur la poitrine et gardez-les ainsi pressés. À nouveau, inspirez, relâchez, expirez, pressez les genoux en direction de la poitrine. Inspirez, relâchez la pression, expirez, pressez les genoux vers la poitrine. Continuez en associant toujours le mouvement et la respiration et en allongeant le bas du dos. N'oubliez pas, vous éloignez les genoux sur une inspiration. Vous les rapprochez de vous sur une expiration. Une dernière fois encore. Puis gardez les genoux pressés contre la poitrine quelques instants. Replacez les mains de chaque côté du bassin, les paumes tournées vers le ciel. Sur une inspiration, tendant la jambe en allongeant bien le talon droit, expirez, pliez le genou. Maintenant, la même chose de l'autre côté. Inspirez, tendez la jambe en allongeant le talon gauche. Expirez, pliez le genou. À nouveau le côté droit, allongez bien l'arrière de la jambe et expirez, pliez le genou. À gauche, tendez la jambe, étirez bien, expirez, pliez la jambe.
puis à nouveau pressez les deux genoux contre la poitrine. Bercez-vous doucement d'un côté à un autre, afin de masser le bas du dos au sol. Restez au milieu. Posez la main droite sur la rotule droite. La main gauche sur la rotule gauche. Puis dessinez de petits cercles avec vos genoux. Là encore, cela permet de masser le bas du dos au sol. À présent, changez de sens. Faites de tout petits cercles. En pressant les genoux sur la poitrine, ramenez cette fois le menton contre les genoux. Restez ainsi quelques instants, puis libérez les genoux. Relâchez les épaules et à nouveau, laissez-vous bercer d'un côté à l'autre. Lorsque vous vous en sentez prêt, tournez sur le côté droit du corps ou sur le côté gauche et doucement, venez vous asseoir. À présent, vous allez avoir besoin de la serviette de bain que vous avez pliée plusieurs fois. Placez-la sous vos fessiers. Joignez les plantes de pied l'une contre l'autre. Rentrez le ventre. Étirez-vous, grandissez-vous. Mobilisez vos abdominaux et visualisez chacune de vos vertèbres l'une sur l'autre. Le menton parallèle au sol. Utilisez les muscles du dos pour baisser les épaules. Puis rentrez les omoplates pour bien aplatir les épaules. À nouveau, baissez les épaules et aplatissez-les. Cela empêche ainsi les épaules de remonter et de créer des tensions dans l'arrière de la nuque. Posez les mains sur les chevilles et en inspirant, levez les genoux. Expirez, laissez-les retomber vers le sol. Inspirez, levez les genoux. Expirez, baissez les genoux. Sentez-les couler vers le sol. Encore une fois, inspirez, les genoux montent. Expirez, ils redescendent. Puis restez quelques instants dans cette position, les mains sur les chevilles. Pensez à la gravité qui agit sur vos genoux en les attirant de plus en plus vers le sol. Rentrez le ventre. Les muscles du dos sont actifs et tirent sur vos épaules pour les ramener vers le bas. La nuque est étirée et le menton parallèle au sol. Puis doucement, croisez les chevilles. Pensez à rentrer le ventre et à redresser le dos. À nouveau, roulez les épaules vers l'arrière. Encore, laissez vos épaules rouler d'elles-mêmes. Veillez bien à contracter les abdominaux afin de retenir votre dos et éviter ainsi qu'il ne bouge lorsque vous roulez les épaules. Puis posez les mains sur vos épaules baissées. Ramenez les coudes l'un contre l'autre et dessinez de grands cercles avec vos coudes sur les côtés. Puis en bas, à nouveau les coudes joints. Faites un grand cercle. Sur le côté, puis vers le bas. Encore une fois, n'oubliez pas de garder le ventre bien rentré afin de ne pas perturber le dos. Seuls les bras bougent. À nouveau, les coudes l'un contre l'autre, dessinez un grand cercle sur le côté. Puis placez les mains de chaque côté du bassin. Croisez les doigts des mains devant vous. Imaginez que quelqu'un vous tire les mains vers l'avant. Pointez le menton vers la poitrine et baissez les épaules. Vous devez sentir un étirement dans le haut du dos
Restez ainsi quelques instants. Ensuite, levez les bras au-dessus de la tête, rentrez bien le ventre et restez. Étirez-vous, vérifiez encore vos abdominaux et redressez le dos. Puis libérez vos bras, croisez les doigts des mains derrière le dos, roulez les épaules vers l'arrière et levez les mains afin d'étirer la poitrine. Puis relâchez. À présent, nous allons travailler avec la ceinture. Prenez la ceinture dans la main droite. Tendez le bras droit au-dessus de la tête. Ensuite, pliez le coude et saisissez l'autre extrémité de la ceinture avec votre main gauche derrière vous. Restez ainsi quelques instants. Peu à peu, vous rapprochez les mains l'une contre l'autre en vous aidant de la ceinture jusqu'à ce que vous arriviez à joindre les mains dans le dos. Relâchez, tendez le bras droit, puis baissez-le, baissez également le bras gauche. Prenez maintenant la ceinture dans la main gauche. Levez le bras gauche au-dessus de la tête, pliez le coude. C'est maintenant au tour de la main droite de saisir l'autre extrémité de la ceinture dans votre dos. Servez-vous de la ceinture pour approcher les mains l'une de l'autre. Jusqu'au jour où vous n'aurez plus besoin de la ceinture. Puis libérez les bras. Posez la ceinture près de vous. Vous êtes toujours assis, les jambes croisées. Placez la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière vous. Tout doucement, tournez le buste en rentrant le ventre, depuis le bas vers le haut, en suivant une spirale depuis la base du dos jusqu'à la nuque. Puis tout en dernier, tournez la tête et restez ainsi quelques instants. Doucement, revenez au centre. Là encore, pour revenir, commencez par la base du dos. Tournez le buste et tout en dernier, la tête. À présent, on change de côté. Placez la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche derrière vous. Assurez-vous que le dos est bien redressé avant de commencer. Puis tournez en partant de la base du bas du dos. Visualisez une spirale et en tout dernier, tournez la tête. Restez ainsi quelques instants. N'oubliez pas de respirer. Il est important de ne jamais bloquer la respiration. Puis doucement, revenez au centre. Nous allons recommencer une fois de chaque côté. Placez la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière vous. Lentement tournez le buste en commençant par la base du dos. Formez une spirale jusqu'en haut. Et tournez la tête en dernier. Tout en continuant à respirer. Puis revenez. Changez de côté. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Main gauche derrière vous. On commence par la base de la colonne. Tournez. Pensez à une spirale. La tête tourne en dernier. Puis revenez. Maintenant, allongez les jambes devant vous. Reprenez votre ceinture, posez-la
plante de pied gauche contre l'intérieur de la jambe droite. Passez la ceinture autour du pied droit. Inspirez, rentrez le ventre et allongez la colonne vertébrale. Pliez les coudes et étirez le haut du corps vers la jambe droite. Restez quelques instants. Sur l'inspiration, pensez à allonger le buste jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, étirez, expirez. Pliez les coudes et allongez-vous un peu plus vers la jambe droite. Restez. Même chose ici. Une fois que vous aurez gagné en souplesse, vous pourrez ôter la ceinture et saisir le pied. Puis tout doucement, déroulez la colonne et changez de jambe. Tendez la jambe gauche. Placez la plante du pied droit contre l'intérieur de la jambe gauche et passez la ceinture autour du pied. Fléchissez le pied. Inspirez et allongez le buste jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, allongez. Sur l'expiration, penchez le buste vers l'avant en gardant le dos bien droit. Et penchez-vous d'un seul tenant en pivotant depuis le bassin. À nouveau, inspirez, étirez-vous. Expirez, penchez le buste en avant, restez quelques instants. Sentez l'étirement dans le tendon de l'arrière du genou gauche. Le pied toujours fléchi lorsque vous relâchez l'étirement. Et tout doucement, déroulez la colonne vertébrale. À présent, allongez les deux jambes et fléchissez les pieds. Cette fois, passez la ceinture autour des deux pieds. Inspirez, allongez le haut du corps. Expirez, penchez le buste vers l'avant et restez. Inspirez, étirez le haut du corps jusqu'au sommet du crâne. En allongeant le dos, expirez. Penchez-vous un peu plus. Si vous le pouvez encore une fois, inspirez, allongez, expirez, augmentez l'étirement. Restez quelques instants en allongeant bien les tendons. Souvenez-vous, s'il y a un mouvement que vous n'avez pas envie de faire, ne le faites pas. Restez dans la position précédente. Maintenant, relâchez la ceinture, rentrez le ventre. Lentement, déroulez la colonne vertébrale. Pliez les genoux et posez les pieds au sol. Portez le poids du corps en avant. Levez les talons au-dessus de la boule des pieds. Puis ramenez les talons au sol. Dirigez la tête vers le sol, tendez les jambes et laissez le buste se détendre vers le sol. Rappelez-vous que ce n'est pas grave si vos mains ne touchent pas le sol. Détendez-vous là où vous êtes, chaque chose en son temps. En contractant les abdominaux tout doucement, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et en tout dernier, ramenez la tête. Pour finir, roulez les épaules vers l'arrière, rentrez bien le ventre, allongez le bas du dos, les jambes jointes, les mains de chaque côté du corps. Nous allons maintenant aborder les postures debout. Sur une inspiration, levez les bras au-dessus de la tête. Expirez, baissez les bras. Inspirez, levez les bras, allongez le buste,
et expirez, baissez les bras. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Expirez, baissez les bras. À présent, nous allons faire notre premier équilibre. La posture de l'arbre. Joignez les jambes, rentrez le ventre et allongez le bas du dos. Fixez le regard vers l'avant et vers le bas. Concentrez-vous sur un point du sol. Dressez-vous sur la boule des pieds, puis baissez les talons. Enfoncez-les bien dans le sol. Écartez les orteils, puis enfoncez-les eux aussi dans le sol. Portez le poids du corps sur la jambe droite. Rentrez le ventre et rendez la jambe droite bien ferme. Ensuite, posez le talon du pied gauche sur la cheville droite et les orteils au sol. Levez les bras au-dessus de la tête, les mains jointes et étirez le corps tout entier. Respirez. Sentez votre corps s'allonger. Puis libérez les bras. Posez le pied gauche sur le sol et secouez la jambe droite. On refait exactement la même chose de l'autre côté. Fixez le regard vers l'avant et vers le bas. Le ventre bien rentré, le bas du dos allongé. Dressez-vous sur la boule des pieds, puis baissez les talons, enfoncez-les dans le sol. Écartez les orteils et reposez-les sur le sol. Portez le poids du corps sur la jambe gauche. Rentrez le ventre. Posez le talon droit contre la cheville gauche et les orteils au sol. Tendez les bras au-dessus de la tête, les mains jointes. Étirez tout le corps. Pensez à bien allonger le corps tout entier. Gardez la jambe gauche bien ferme. Puis libérez les bras, ramenez le pied au sol et secouez la jambe gauche. Nous allons maintenant progresser dans la posture. Fixez le regard vers l'avant et vers le bas. Dressez-vous sur les boules des pieds, baissez les talons. Enfoncez-les dans le sol. Écartez les orteils et reposez-les sur le sol. Là encore, portez le poids du corps sur la jambe droite. Rendez celle-ci bien ferme et cette fois, saisissez le pied gauche et venez le placer à l'intérieur de la jambe droite. Posez-le à l'endroit le plus confortable pour vous, sauf sur le genou. Ne poussez jamais le genou avec le pied. Lorsque vous vous sentez prêt, levez les bras au-dessus de la tête, les mains jointes et allongez le corps tout entier. Restez quelques instants. Vous pouvez également vous tenir à une chaise ou contre un mur. Puis relâchez les bras, ramenez le pied au sol et secouez la jambe. À nouveau, joignez bien les jambes, rentrez le ventre, allongez le bas du dos, dressez-vous sur les boules des pieds, ramenez les talons au sol, enfoncez-les dans le sol. Écartez les orteils et reposez-les au sol. Cette fois, portez le poids du corps sur la jambe gauche. Rendez la jambe gauche très ferme. Saisissez le pied droit et venez le placer où vous voulez à l'intérieur de la jambe gauche, sauf sur le genou. Fixez le regard, levez les bras au-dessus de la tête, les mains jointes et allongez le corps tout entier. Si vous ne vous sentez pas prêt à décoller le pied du sol, restez dans la position vue précédemment. C'est vous qui choisissez. Libérez le pied, relâchez les bras et secouez la jambe gauche. Avant de vous redresser, les mains de chaque côté du corps, le ventre rentré, le bas du dos allongé, le menton parallèle au sol, les jambes bien jointes, restez ainsi quelques instants. À nouveau, inspirez. Levez les bras au-dessus de la tête, les mains jointes.
Expirez, penchez-vous à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, penchez-vous à gauche. À nouveau, inspirez, revenez au centre. Étirez-vous, les mains toujours jointes. Allongez tout le corps. Expirez, penchez-vous à droite. Puis inspirez, revenez au centre. Expirez, penchez-vous à gauche. Sur une inspiration, revenez au centre. Et sur une expiration, libérez les bras. Pliez ensuite les genoux, puis venez vous asseoir. Les genoux au sol, les fessiers sur les talons, le front au sol, les bras le long du corps. Détendez-vous dans la posture de l'enfant et restez ainsi quelques instants. Encore une fois, concentrez-vous sur votre respiration. Veillez à respirer lentement et calmement. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la posture, placez l'avant-bras droit sur le front, en gardant le bras gauche le long du corps. C'est à vous de voir. Prenez quelque temps pour vous détendre et vous relâcher. Puis doucement, venez vous installer dans la posture du chat. Placez les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin, les doigts des mains droit devant et le ventre bien rentré. Sur une expiration, vous allez regarder entre vos genoux. Expirez, regardez entre les genoux. Inspirez, levez la tête et le coccyx, en laissant le milieu du dos retomber vers le sol. Expirez, allez regarder entre vos jambes. Inspirez, levez la tête et le coccyx, en laissant le milieu du dos retomber vers le sol. On continue, expirez. Inspirez. Encore une fois, expirez. Inspirez. Sans bouger les mains, replacez le bassin sur les talons. Puis lentement, venez vous allonger sur le sol, sur le ventre. Placez maintenant les mains sous votre front. Pressez la hanche droite au sol. Contractez le fessier droit, levez la jambe droite. Puis baissez-la. Ensuite, pressez la hanche gauche au sol, contractez le fessier gauche et levez la jambe gauche. Puis lentement, ramenez-la au sol. À nouveau à droite, pressez la hanche au sol, contractez le fessier et levez la jambe. Puis baissez la jambe. Le côté gauche maintenant, pressez la hanche au sol, contractez le fessier et levez la jambe. Puis baissez la jambe.
Cette fois, placez les coudes sous vos épaules, les jambes tendues, les orteils joints, les talons écartés. Puis joignez les talons en même temps que vous levez le sternum. C'est la posture du cobra. Et restez ainsi quelques instants. En ramenant le visage parallèle au sol, laissez les talons s'éloigner l'un de l'autre. À nouveau, joignez les talons tout en levant le sternum. Regardez au-dessus de vous. N'oubliez pas de respirer. Puis écartez les talons en regardant à nouveau vers le sol. Nous allons faire le cobra encore une fois. Joignez les talons et levez le sternum. Restez. Regardez vers le sol et écartez les talons. Puis détendez-vous. Doucement, à votre propre rythme, tournez pour venir vous allonger sur le dos. Fermez les yeux, les paumes des mains tournées vers le ciel. Prenez quelques respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Observez bien le mouvement du diaphragme. Il se dilate à l'inspiration, puis se contracte à l'expiration. Pensez à vider entièrement les poumons lorsque vous expirez. Partez du haut des poumons pour aller jusqu'en bas. Chaque fois que vous expirez, laissez le corps s'enfoncer un peu plus dans le sol. Chassez la moindre tension. Assurez-vous que vous ne contractez pas les mâchoires. Sentez les sourcils s'éloigner l'un de l'autre. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ralentissez peu à peu le rythme de votre respiration. Ne gonflez pas les poumons. Contrôlez juste l'air que vous inspirez. Encore, inspirez, expirez. Sur la prochaine inspiration, levez les bras au-dessus de la tête. Inspirez, allongez-vous. Expirez, abandonnez-vous au sol. Doucement, ramenez les genoux sur la poitrine. Puis bercez-vous d'un côté, puis de l'autre, pour masser le bas du dos au sol. Puis tournez sur le côté droit du corps, ou bien sur le côté gauche. Venez tranquillement vous asseoir. Veillez à rentrer le ventre, à allonger la colonne vertébrale, le menton parallèle au sol, les épaules baissées. Inspirez. Levez les bras au-dessus de la tête. Expirez, baissez les bras. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Expirez, baissez. J'espère que cette séance vous a plu et que le yoga deviendra pour vous un précieux allié.